Bien, ben là, on a les deux professeurs du club, donc Marc, Yvonik. Et ce que vous avez fait avec le jeu de frites, avec le travail de sursaut, de rebond, ça peut servir aussi dans des assauts qu'on appelle conventionnels, les assauts qui permettent aussi de passer des ceintures. Et là, entre autres, ils vont vous montrer une formule qui peut être en kion-hippon ou en hippon-kumité. C'est-à-dire que là, il va y avoir une attaque gyakutsuki d'un côté. Et Marc, il va réagir avec l'exercice que vous avez travaillé. Avec un taisho et une contre-attaque au raken, mais le tout presque en même temps et dans un changement de garde en sursaut. Ils vont le faire en tournant. Et puis à un moment, ils vont le faire un peu en façon jukumité, combat libre. Prêt? Ils se saluent, ils se donnent la confiance, ils vont travailler avec de vitesse, la force, la détermination. La précision. Le contrôle des techniques. Et les bonnes distances. Et Yamé, et il se salue. Bien entendu, un qui a travaillé dans un rôle, Uke, Tori, et après il faut savoir changer les rôles. Mais là vous avez pu voir ce que vous avez mis en place depuis le début d'après-midi. Eh bien, l'idée, c'est une finalité, c'est de pouvoir travailler sur une défense contre-attaque face à une attaque très rapide.